tous à tous, mes petits cagettes, c'est Cage et bienvenue pour le 15e épisode de Far Cry 6. Et ça commence bien, je ne sais pas sortir de ce cimetière. Vraiment pas du tout. Et du coup, on se retrouve pour aller chercher un certain Sergio Estevez, le bras droit du El Doctor. J'espère en tout cas que cette série vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant le pouce des pouces bleus, en t'abonnant si c'est pas déjà le cas. Et si tu veux suivre ce let's play, tout ça, n'hésite pas, il y a la playlist dans la description. N'hésite pas à aller checker. Viens ici, toi. Bon, alors il doit y avoir des indices. C'est pas hauteur. Il n'est pas là, en tout cas. Alors, les indices sont en haut. Enfin, un beau bordel, hein. Parce qu'à un moment, j'ai cru aux conneries de Castillo et qu'ensuite j'ai vu les conséquences. Il y a plein de monde qui ont cru aux conneries de Castillo, ma chère. Alors, ah oui, déplacement de demi, carburant du bateau, production cosmétique 14 000, frais du bateau, on voit bien. À qui est-ce que tu parles, Sergio? Sergio, c'est Edgar Reyes. Les guerriers sont après toi. Viens me voir, et nous te fournirons la protection adéquate. Castillo a besoin de toi, et moi aussi. Nous avons encore tant d'essais à terminer. Quelqu'un a prévenu ce hijo de puta. Eh ouais. Et au découpage, je dis ce petit gentil des montagnes. Pas le point, c'est... Allez. Fais gaffe, hein, c'est pas de l'accès de la 56K. Hein. Bordel de merde, il est en cavale. Mathias, quelqu'un a prévenu El Doctor de notre arrivée. Sergio s'enfuit. J'arrive avec Paolo. Ne laisse pas cette sombre merde échapper. C'est un meurtrier. Ok, je pense qu'il faut y aller à pied. Je dois aller à la marina. Sergio risque de filer sur son bateau. Putain de merde, de loup de merde. Je te jure, il me fait rater la mission, je te jure, j'en suis. Allez. Cogno. Commotion cérébrale sérieuse, lacération, épaule déboîtée. Laisse-moi deviner,
Tu vas me soigner pour me montrer que tu vaux mieux que moi. Dis-nous, ce plan, quel docteur? Il est à la fabrique de Vivian, au bâtiment 13. Mais putain, Paolo! Tu crois quel docteur aurait ses Camparias sans l'aide de fumier dans son genre? Rien de tout ça, rien de tout ce merdier ne serait arrivé sans des médecins de son espèce. Je l'emmerde. Fini la compassion. Et traumatisme crânien important. Merde. Et tunnel dans son crâne important. Ventilation élevée. Alors... ok. Danny, retrouve-moi au poste de guet près du labo de Biovida. On va frapper le docteur chez lui. Putain, c'est pas trop tôt. Oh, merde. On va le tuer, toi et moi, Danny. Et on va aussi frapper Castillo là où ça fait mal. À son putain de portefeuille. Hé, hey, Paolo, t'as réussi à me faire sourire. À bientôt. Bon, oh, petit cagette, on va aller s'occuper d'une petite base avant de s'éloigner là. Pépère, tranquille. Vous me connaissez dans la subtilité ou pas. Voir peut-être ou pas en fait. J'ai vu un truc. Là, encore. Ah putain. Bah je voulais monter là au-dessus. Doit disparaître. On désactive. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Bah, a pu. Bon, maintenant qu'on a, entre guillemets, réglé ce problème-là, il faut qu'on aille ici. Voilà. Mais...
d'appeler des renforts. Vas-y mon chien. Bon. Danny, aujourd'hui on tue le mal. Bâtiment 13. On y est. Le Viviro, les parias, l'enfoiré qui se plante ici est le responsable de tout. Le seul moyen qu'on a de réussir, c'est de se séparer. Je vais appeler quelques camarades. On va placer des explosifs et foutre le business du Viviro par terre. Ça va pas être facile, mais il faut que tu t'introduises là-dedans et que t'élimines ce salopard. Aujourd'hui, c'est lui ou nous. On n'aura pas d'autre chance après. Danny, tu m'as aidé à ouvrir les yeux. Je fuyais Castillo, Maria, tous ces enfoirés. Maintenant, ce sont eux qui ont peur. Ça, c'est pour Talia. Bon, bah écoute, il est temps de faire le travail. Du coup, après, il restera plus que Castillo. Ce sale taré va finir 6 pieds sous terre. Je viens de te signaler que je viens de sortir en fait du truc. Ce bâtard il va activer. Ah non, quoique non, il va s'auto-tuer. Non, je pense. On va les tuer avec leur propre poisson. Ah, ils s'attendent à la carte terrestre. Bah ouais, je vais les démonter. Hein. Ah, ils auront leur attaque terrestre. Hein. Il ne s'inquiète pas. Hein. Putain, le bâtard, il a un victime. Mais lol. C'est où, Chorizo? Attaque terrestre la plus efficace que tu puisses connaître. Mmh.
Bon, maintenant il faut rentrer dans le fameux bâtiment 13. C'est fermé. Il me faut une clé. Alors, soit c'est dans l'un des mecs en question. Parce que j'ai peut-être pas ramassé les gars en question. Le problème, il faut que j'arrive à pénétrer dans le bâtiment. Ah non, il y a peut-être un moyen. Peut-être en pénétrant par le bâtiment 12. Ça devrait me mener au toit. Alors, voilà. J'ai pas la clé. Non, bah il faut monter où, d'accord. Ok. Il nous a pris une fois par surprise, on va peut-être pas se laisser faire deux fois de suite quand même. Enfin, j'espère. Parfait. Des expériences. Hein. Paolo, faudrait que tu vois ça. Qu'est-ce qu'il y a, Dani? T'as trouvé quoi? Le labo d'El Doctor et toutes ses expériences. Garde ton calme. Le Docteur va mourir aujourd'hui. C'est son dernier jour sur cette terre. Oh merde. Ne tire pas! Non, t'inquiète, je vais pas te. Tu mérites pas de vivre. S'il te plaît, ne tire pas! Allez, je vais tester la vie sauve. Qu'est-ce qui t'a fait? El Doctor, il m'a implanté le poison. Tu mérites la mort. Je sais pas où est-ce qu'on va. Envoie-les en enfer, Paolo. Bon, il se trouve où ce connard? Ça va? Tu peux marcher? Je pense qu'il peut marcher. Comment s'en sortir? Je vois pas où il faut aller. Yeah.
c'est un fils de pute, hein. Non, je rigole pas du tout, hein. Allez, on va bientôt terminer. Vas-y, chorizo. Nickel, mon petit chorizo. Elle a pas tort. Voilà la putain de cavale. Vous laissez pas déborder. Je m'en occupe. Je m'en occupe de cet hélico à la con. Plaisir.
Parfait. À qui le tour? Je vais faire le ménage pour toi, Juan. Ok, l'autre il court normal. Tragédie. La déesse de la victoire nous a choisis. Savourez tant que ça dure. Parce que dès demain, elle se tapera d'autres vénards. Vous l'écoutez jamais, Pedro Torero? Quelle génération de glandus. Il a boucle de temps en temps? Non. Talia! Mon chou! Je croyais t'avoir perdu. Mais non! El Doctor? Mort, autour de Castillo. T'as l'air différent. C'est parce que je me fais entendre maintenant, Talia. Ça veut dire que tu m'accompagnes à Esperanza? Je me battrai pour toi. Je mettrai une balle dans le crâne de Castillo pour toi. Mais t'imagines pas te débarrasser de moi. C'est facile de parler de famille, d'égalité, quand on dirige pas un pays. Mm-hmm. Quand ta révolution sera finie, la mienne n'aura même pas commencé. Alors mettons ça en chanson. Bichot? Oui, capitaine. Reine Clara. Enfin, Refa. Je m'appelle Paz. Paz. Je pense que Radio Libertad aimerait entendre notre nouveau commandant. Ouais, pas de soucis. Tu vas dire à ces gens que Libertad était mon idée? Merde, tu veux pas lâcher l'affaire. Je déteste cette putain de musique. C'est pas Pedro Torero? Tout à fait, Danny. La révolution vendra. Mi pueblo no aguanta más. Hay con la Yara unida mi hermano. Venimos para luchar. Cher vrai Yaran, ces terroristes de malheur qui nous tourmentent n'ont pas de projet pour Yara. Ils ne veulent que semer le chaos. Diego? Oui, papa? Ils ne veulent que semer le chaos. Est-ce que ça va? Tu l'as déjà utilisé. Ah. Tu l'as ouverte? Oui, monsieur le président. Il sonne toutes les heures, président. Hola, fascista. Je la reconnais, cette voix. Mon petit cadeau t'a plu? Vous l'avez tué? Quelle surprise, terrorista. Et avec les infos recueillies, on a détourné 10 cargaisons de ton précieux viviro. Je vais vous poser une question, mademoiselle Garcia. Quand je serai mort et que Yara brûlera, quelle sera la prochaine étape? Chanter en faisant la ronde autour d'un feu de camp? Oh putain, qui est-ce qui te l'a dit, fascista? Pour vous, c'est El Presidente! Lancez la caméra, je suis prêt à m'adresser à mon peuple. Papa... Quoi? Au plan. Ça tourne, monsieur le président. C'est avec la plus profonde tristesse que je vous annonce la mort d'un véritable héros du paradis,
le docteur Edgar Reyes. Il n'était pas seulement le créateur du Viviro, mais également l'un de mes amis. Enfin, il s'énerve. Alors, présence militaire accrue. Ok. Ok. Ouais, donc il reste vraiment que la Jouya et Esperanza que j'ai. Il l'a ici. Et je pense que ce sera. Donc, du coup, Talia et truc. Bembe toujours en vie, malheureusement. Ah, il y a une. Ok, bon, ça, je ferai ça plus tard. Du coup. Tac. Il ne restera que ça. Hein. Bon, mes petites cagettes, on va se laisser ici pour cet épisode de Far Cry 6. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Nous avons enfin tué El Dectore, l'ange de la mort, et nous avons pris notre revanche sur lui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ton pouce bleu, à activer la cloche de notification pour rater aucune de mes vidéos. Si le contenu de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, des familles en plus, mais non, à t'abonner surtout. Ça me fera un soutien de dingo et ça prouvera que tu aimes ce que je fais. Les réseaux sociaux sont en bas de la description, n'hésite pas à les checker. C'était Cage, bisous, et à bientôt pour le prochain épisode. Bye!